Voilà donc pour cet épisode 1 de la saison 3 de champ Livres. Euh, avec nous pour pour en parler plus globalement encore de l'aspect culturel dans le monde rural. Il y a avec nous Geneviève Barra, Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine en charge précisément de la ruralité. On va voir avec vous dans un instant justement comment la, la région Nouvelle-Aquitaine peut accompagner et suivre toutes ces initiatives. Il y a avec nous euh, Jean-Baptiste Bays. Vous êtes avec nous co-réalisateur de, de champs libre, on va voir avec vous comment se passent les tournages. et puis à vos côtés, richard coconnier, euh, c'est vous un petit peu qui êtes à l'initiative de, de, de champs libre. m'a-t-on euh, oui. dit oui. euh, pourquoi vous êtes dans le milieu artistique et culturel, richard coconnier? Plutôt urbain, notamment beaucoup à, à, à Bordeaux. Vous avez senti depuis longtemps qu'il se passait des, des, des trucs, comme on dit, euh, à la campagne. En fait, Champ Libre est né d'un appel à projet de la, la chaîne TV7, justement, qui voulait créer un magazine culturel, culturel sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Et on, la question euh, qu'on s'est posée, c'est évidemment de quoi on va proposer de parler. Et on s'est dit, on va aller un peu à la rencontre des, des idées reçues ou des idées attendues euh, qui pourraient, auraient pu nous amener à parler, je sais pas, de de culture urbaine de, de, de street art, toute chose oui, parce que c'est culture dire, jeune. C est, c est, euh, voilà, c'est facile. Euh, et et c'était le, les réseaux sociaux, tout ça. C'était ce, ce pas qui compliqué. paraissait euh, évident. Et on s'est dit, mais la vraie richesse aujourd'hui dans une région qui est en train de se constituer en grande région, qui est la plus grande ré région rurale de France, est-ce que c'est pas notre territoire -ce et ce qui s'y passe? Et donc, on a eu envie d'aller là-dessus. C'était le moment aussi des élections présidentielles de 2017 où il y avait un discours très fort comme ça sur la, les coupures territoriales. Et sur l'idée que la, la campagne était un territoire de désespérance, de désertification. Et on a dit, faut montrer que ce n'est pas vrai, que c'est faux. Et on ne peut pas accepter ça. Et on s'est dit, on va le montrer aussi avec des initiatives culturelles et artistiques. Et surtout, on vient de le voir à l'occasion justement de, cette, de ce premier épisode. Ce ne sont pas uniquement que des initiatives culturelles en patois ou vraiment autour de, des, des, des concepts, on va dire, s'accrocher au, au, au territoire. Là, c'est du théâtre. Qu'on peut retrouver en ville, c'est de la photo qu'on peut retrouver en ville. Voilà, il y, y, y a vraiment cet aspect espèce, cette espèce transversal de la culture Au départ, notre démarche était un peu intuitive. On s'est dit, il doit y avoir quelque chose, il va falloir le montrer. C'est obligé, il se passe et, un truc. Et, et, et on avait un mot en tête aussi, c'était la ruralité connectée. C'était l'idée qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut se connecter au monde, il peut aussi bien le faire d'un petit village de Corrèze ou de Creuse ou des Landes que, du, que des, des centres urbains ou métropolitains. Et, et de fait, notre intuition, a été confirmée, il y a des artistes qui, qui ont aujourd'hui une notoriété mondiale, qui sont connectés au monde et qui vivent dans des tout petits villages. C'était ça aussi l'enjeu. Je ne veux pas en libre c'est exactement, euh, c'est idéal pour vous qui avez justement en charge euh, la, la ruralité, un sacré dossier hein, euh, en, en Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes élu de, de, de la Creuse. Euh, comment justement la, la région Nouvelle-Aquitaine soutient ces initiatives, on va dire, d'ordre rural On a vu tout à l'heure euh, parler d'écosystème, de, 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 de l'apport économique, par exemple, ou, ou de maintien sur place de la population que peut avoir une compagnie de théâtre qui s'installe ou choses comme ça. Comment la, la, la région regarde ça et, et comment ça, vous soutenez les initiatives euh, euh, J'ai globalement abordé la ruralité à échelle de, de la grande région. 94% hein, du territoire est de zones denses ou peu denses. Donc ça vous, vous fait du travail ça vous fait La population, avec aussi des territoires, euh, même euh, des ruralités, hein, euh, des territoires. Euh, et, même assez déséquilibré entre eux, parce que c'est quand même une attractivité du littoral qu'aucun aménageur du territoire n'avait vu venir et qui font que l'intérieur se vide un peu. Malgré tout, euh, malgré tout, je pense que notre temps est venu. Voilà. Le je temps pense de la ruralité me... est venu. Le temps de la ruralité est venu. Ça paraît un peu comme. Mais dire que les années 80-90 de la grande mondialisation et de la dérégulation de l'économie a fait beaucoup souffrir l'agriculture, l'industrie rurale, qui était implantée beaucoup en milieu rural, puisque c'était pour garder les enfants de paysans, souvent, qu'on avait fait des usines. Et qui a beaucoup souffert. Et je pense qu'aujourd'hui, le. Euh, Complémentaire peut-être de la ville, des métropoles, mais aussi le fait que les métropoles sont difficilement vivables. Voyons Bordeaux depuis que le TGV existe. Je crois qu'on circule de plus en plus mal. C'est difficile de se loger. Bon. Donc euh, voilà, il faut essayer de... Je me suis dit, il faut peut-être retourner ouais. et retourner le côté, euh, l'atout, quoi, l'atout et voir euh, aussi aller... Euh... C'est des mondes secrets. Le monde rural, c'est un monde secret. Hein. Vous voyez la Creuse, vous avez des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Alors hein. vous, justement, ouais. par rapport mm. à ces initiatives de type mm. culturel, mais il bon, y a aussi tout ce qui est tiers-lieu, mm. etc., il mm. y a beaucoup de choses qui se passent à la campagne. Dans la Creuse, pourtant, Dieu sait si on dit de ce département que mm. c'est quand même un, un des plus « désertiques » de, de, de France. Vous dire même si ça peut vous énerver, je voilà. ne peux comprendre. Pas du tout. <laughs> Juste vous dire qu'on a rassemblé tous les acteurs du monde rural dans ce qu'on a appelé euh, pompeusement un « cluster ouais. », pour un peu taquiner le président, lui dire « la modernité peut être rurale aussi ouais. ». Ouais. Voilà, et où on a beaucoup de maires ruraux qui sont des vrais militants de leur territoire, très... Euh, très euh, je sais persuadés, pas. persuadés Non, mais ouais. très... Ils conceptualisent facilement les choses. Ils ont quand même... Je veux dire, vous avez, on a créé des territoires sur 20-25 ans de décrochage. On a créé aussi des résiliences qui échappent à beaucoup de gens. D'ailleurs, on a bien vu qu'il y avait un décalage qui se passait euh, voilà, dans la société. Pour les Gilets bon, jaunes, hein, pour, pour faire Oui, pour faire les simple. Gilets jaunes. Et puis, euh, je ne sais pas, cette, euh, voilà, je crois crois Qu'aujourd'hui, le temps est venu un peu des démarches ascendantes et non pas descendantes. Il faut aussi mmh. que les territoires et c'est pour ça qu'ils se réveillent. Moi, je y compris la Creuse. Donc. Voilà, mais, <laughs> mais la Creuse, bien sûr, elle se réveille puisque d'abord, elle a la vallée des peintes, elle a la cité internationale de la tapisserie, elle a un patrimoine culturel qui est essentiel. Le plateau de Mille Vaches est l'endroit où on lisait le plus en France il y a 40 ans. C'était le ah voilà. Il oui. y, y a aussi, oui, vous avez tout un mélange. Voilà, la Creuse, elle est. Et donc j'étais étonnée parce que je me suis dit qu'est-ce qu'il faut faire dans des villages de 350-400 habitants, euh, des communes, et j'étais étonnée. Je me suis promenée, j'ai trouvé euh, à Flaya, 5 habitants kilomètre carré, qui dit mieux, une commune de 350 habitants. Eh bien, le café de chez Paulette, il avait été repris par un café associatif qui hébergeait deux associations supplémentaires dans des fameux bistrots divers. Et, euh, et bien tous les vendredis soirs, il y avait 100 personnes qui venaient de partout écouter des concerts. Alors, Même Manu Chao est descendu oh, chez lui. C'est dire <rire> euh... <rire> Vous, en tant qu'élu, vous avez été, malgré le fait que vous veniez de la Creuse, hein, c'est mmh. pas péjoratif, étonné par ce qui se passe. Richard Coconier, vous avez pris le pari de parler de la campagne et, et de la culture en, 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 en essayant de voir, et vous êtes aussi étonné de voir ce qui se passe. Euh, vous, Jean-Baptiste Baïs, vous êtes le co-réalisateur de Champs libres. Est-ce que vous êtes étonné depuis maintenant deux ans et demi que vous sillonnez la Nouvelle-Aquitaine, justement par ce qui se passe en matière culturelle en, en zone rurale c'est vrai qu'au départ, on aurait pu faire un magazine culturel sur, je ne sais pas moi, les grandes capitales françaises de la culture, les grandes capitales européennes de la culture, les grandes capitales mondiales de la culture. Et là, en fait, on a pris le, le, la, la stratégie à rebrousse-poil, à l'envers, et on est parti sur les routes. Et effectivement, ce qui se passe dans les campagnes, euh, c'est un vivier, c'est un véritable vivier. Nous, il y a un truc assez surprenant quand on est en tournage, est, euh, on a bien le raconté, c'est on tourne un spectacle de théâtre ou un concert ou une expo. Il y a toujours quelqu'un qui va venir nous dire... Il y, a un, il y a un sculpteur à 10 km d'ici. Alors, il fait, il fait des œuvres au Japon, mais là, il, il habite ici. Alors, il y a Internet, il arrive à... Et puis, on nous dit après, oui, mais il y a un groupe de musique qui est de l'autre côté. Et en fait, chaque jour de tournage qu'on a fait, on a une centaine de, 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 de sujets tournés là sur les trois premières années. Vous avez 300 préparations au potentiel. Alors, c'est mieux que ça. On a fait un calcul une fois avec Sonia et on, a, on peut avoir 41 années de champ libre de prête. C'est-à-dire qu'il y a de quoi faire. 41 ans de sujets, euh, parce que c'est un vivier, il y a des choses, alors il ne faut pas faire tous les sujets on, dont on nous parle, parce que des fois, ce n'est pas forcément très oui, intéressant oui, y a, y a un choix, oui. mais il oui. y a un potentiel, il y a, je crois, effectivement, une qualité de vie qui fait que les artistes aiment bien être dans quelque chose au calme et à leur rythme, il y a une diversité du, des publics, parce que euh, très souvent, vous êtes fan de hard rock, vous allez à Bordeaux voir tous les concerts de hard rock, vous ne connaissez que des copains qui sont dans le hard rock, quand on est à la campagne, on va voir d'autres choses. Donc, on s'ouvre l'esprit parce qu'il bah, y a moins de spectacles. Il y a moins de hard rock, oui. Mais il y a du hard rock aussi. Mais vous pouvez aller voir, euh, on va dire, de l'électro, euh, une expo euh, d'art contemporain, du théâtre. Et comme il y a moins de, de spécialisation, ça vous ouvre l'esprit, quoi. Donc, les, les, les publics sont potentiellement plus euh, ouverts, plus ouais. larges. Et on va aller voir un spectacle, même si on n'est pas fan de hard rock, on va peut-être aller voir quand même parce que. Ben, on connaît le charcutier, on connaît le boucher, on connaît le voisin, et l'aspect sociologique qu'on essaie très souvent, parce que ce c'est pas que des artistes à la, qui sont planqués à la campagne, c'est aussi souvent des engagements de territoire, des engagements de villages, euh, c'est pour revenir à, euh, des bénévoles et un aspect complètement sociétal qui a, euh, qui fait qu'à un moment certains spectacles n'existent aussi que parce que il y a des bénévoles, il y a des maires de petits villages qui s'engagent, il y, euh, y a des gens. Et on a, oui, on, on a vraiment aussi l'impression qu'il suffit parfois de peu pour que les gens des, des, des villages eux-mêmes se rendent compte que eux aussi peuvent apprécier la culture eux aussi ils peuvent se mettre à aimer le théâtre etc. c'est vrai qu'il y a une façon un petit peu de, de, de dé dé déclencher les, 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 les appétits auprès de gens qui potentiellement se sont mis peut-être eux-mêmes dans, dans, dans des cases en disant ouf. Tout ça, c'est pas pour moi, je vais pas comprendre, c'est trop compliqué, etc. C'est ça aussi qui, qui, qui est important. Je sais pas si en ville, quelque part, euh, la rupture est pas plus consommée en une partie qui ne peut pas accéder à la culture en ville et qui manque de moyens que en rural où c'est facilement accessible quand même, c'est des lieux c'est des lieux hybrides, souvent on, ça fait plein de choses, ça fait espace de vie sociale, ça fait ça peut faire service public, ça peut faire plein de choses. Moi j'ai développé ce système et là je trouve qu'on a beaucoup moins de cloisonnement entre les gens et puis bon euh, voilà, on peut se le dire, finalement personne n'a voilà. On n'est pas, pas en représentation dans le milieu rural. On est tel quel, quoi. On est comme on est. Oui. Avec notre territoire, tout le monde se moque de nous. Mais on est plutôt fiers. Et puis voilà. Et puis le lien, le lien social et les solidarités. Je crois que c'est la base des, des territoires ruraux. — Est-ce que, justement, Richard Cocconi, avec ce que vient de dire Geneviève Barra, on n'est pas quasiment retour aux sources de, 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 de ce qu'est la, la, la culture parce que c'est vrai qu'en ville sans forcément l'opposer avec la culture des champs il y a un petit côté, vous l'avez dit très mmh. représentation mmh. Euh, très sur le quant à soi etc euh, ce côté là on l'a un peu oublié en ville – Oui, probablement, mais euh, là, en écoutant ce que disait Geneviève Barra tout à l'heure, je, je me disais, il y aurait peut-être un défi formidable à lancer au président Rousset. Euh, moi, il y a quelques ah, années, vous je, vous me suis, je me suis <laughs> occupé de la candidature de Bordeaux comme capitale européenne de la culture en oui. 2008, euh, c'était pour 2013, on était face à Marseille, à Lyon, à Toulouse. Ouais, ça, pas le pas tour forcément. de la France voilà. va revenir en 2026, et je me dis, pourquoi est-ce que finalement, est-ce que ce ne serait pas le territoire rural mmh. aquitain, mmh. néo-aquitain, pardon, euh, qui pourrait pourrait Candidater globalement euh, comme un pied de nez, finalement, à toutes ces candidatures de villes et faire, faire une proposition. Ah. Euh... J'ai une proposition, alors faire à, à champ libre. Nous faisons un grand forum de la ruralité. On a eu un à la souterraine européenne. On en fait un hein, au mois de juillet. Pourquoi ne pas faire un focus sur la culture en milieu rural ah, à une... l'intérieur de ce forum qui est européen voilà. Bah écoutez, regardez. <laughs> je, je, je crois, crois qu'on on a, on a bien je appris la géographie de la Nouvelle-Aquitaine. Je... je pense que je vois la route. Donc, voilà, j'ai un bon début. Voilà, je pense que c'est fait. <laughs> voilà, voilà. c'est fait. Et euh, quitte a aussi trouvé dans l'Europe entière euh, des choses similaires. l'idée que les ruralités sont mondiales. C'est des mondes qui ont beaucoup souffert parce que quelque part on a laissé la loi du marché. On a laissé des territoires à la loi du marché et on n'était pas Égaux au départ, dans la mesure où on a moins de mobilité, moins de, moins de, de pouvoir de formation pour les gens. Voilà, on a décalé. Je crois qu'aujourd'hui, le, le virage numérique, le virage moderne va nous permettre de rattraper. Et le besoin aussi de produire local, de consommer local. C'est essentiel. Le temps de la ruralité a sonné, hein, si j'ai bien compris. 80% hein, vous... de la population dit que le mode de vie idéal est à la campagne. Mais bon. à nous de prouver Allez tous dans la creuse. Intégrer. Non, il n'y a pas que la creuse. Une dernière précision, parce que là on a parlé effectivement de, 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 de possibilités à l'étranger. La saison 3, ce qu'on a ouvert aussi dans Champ Livre, c'est qu'on est allé, qu'on a commencé à tourner des sujets à l'étranger. C'est-à-dire qu'on est allé chez nos voisins en Ouskadi, Navarre Et effectivement, premières... c'est une réflexion qu'on essaie mmh. de mettre en place aussi. Vous le verrez dans la saison 3, plutôt vers la fin de la mmh. saison 3. Il est fort pour faire du teasing. En voilà, plus. je tease un petit a peu, mais talent. effectivement, c'est devenu une, un programme international. On est preneur pour le forum. Ça marche. Deux pas. jours. Bah écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup, très bien. Euh, Merci. en tout cas, à tous les trois, avec euh, bah, ce message un petit peu d'espoir. C'est que vrai qu'en général, on parle de, 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 du milieu rural en, en partition, euh, les, 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 les villages qui se désertifient, il n'y a plus de services publics, euh, les, euh, les, les familles s'en vont, etc. Et puis, ceux qui viennent à la campagne, finalement, ce ne sont que des gens qui n'ont pas de quoi se loger euh, en ville, donc ils viennent là un petit peu à reculant. Ben pas forcément, il y a aussi une autre, une autre ruralité euh, qui est peut-être euh, euh, source d'avenir et, et de beaux projets. En tout cas, tout ça, c'est à découvrir dans, dans Champ Libre. Alors, la saison 3 a commencé, on, on, et vous l'avez entendu hein, de, la, de la bouche même de Jean-Baptiste Baisse, il y a encore euh, 46 saisons à suivre. Donc, euh, on va on se régaler. — on sera à la retraite, nous, mais... <laughs> hein. Merci.